Il y a les faces à claque et maintenant les têtes à claque. Les têtes à claque. Écoute, on parle d'un énorme succès. Depuis le 16 août dernier, le site a été mis en ligne. Ça n'a pas de bon sens. Certains des clips humoristiques qu'on y retrouve ont été vus à plus de 5 283 000 reprises. Viens-tu te péter, toi, là? Ce sketch et une quinzaine d'autres similaires ont fait leur apparition sur le web le 16 août dernier. En un mois, le site qui les héberge, têteaclaque.tv, est devenu l'un des plus populaires du Québec. C'est un véritable success story, hein, les têtes à claque. Michel Baudet qui fait ça à partir de son sous-sol à Boucherville, et voilà que ça va se retrouver sur les écrans un peu partout dans le monde. Comme quoi Internet permet tout, à vous à peu près maintenant. Vous étiez publicitaire québécois, vous avez eu un enfant, et ouais. Vous avez eu envie de le distraire, et vous avez créé deux petits personnages. Oui, bien en fait, je voulais faire un truc éducatif, je voulais faire de l'animation image par image. Vous avez fait péter une grue, et celui qu'on a vu hier. C'est intéressant, oui. C'est dans cette chambre d'un bungalow de Boucherville que les personnages des têtes à claque prennent vie chaque jour. Des poupées, de la pâte à modeler, un peu d'imagination, il a bricolé des histoires avec sa bouche et ses yeux pour éviter des heures interminables à animer ses personnages. Moi, une pop-tarte, juste une pop-tarte. C'est bon, des pop-tarte. C'est moi qui fais tous les visages, bien, toutes les voix, les yeux, les bouches. J'ai une grosse boîte de fausses dents. Il est allé voir des chaînes de télé, des boîtes de production. Il s'est fait rejeter. Et je pense que c'est quand même une douce revanche de voir quand même ce succès phénoménal. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. Tout le monde veut devenir tête-à-claque un peu. C'est même devenu des quasi-devoirs dans les écoles. Même le premier ministre du Québec connaît le produit. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2007? Willy Waller 2007. En quelques mois seulement, les têtes à claque sont devenues un véritable phénomène. Voilà maintenant que les personnages de Michel Baudet intéressent les Américains et les Français. Tout va un petit peu trop vite avec les têtes à claque. C'est un peu fou ce qui se passe. On a eu 6 propositions de films. D'un simple projet artisanal, les têtes à claque sont en train de devenir un empire. Ça, c'est notre meilleur score. 5400e. Dans le monde entier. Sur 100 millions de sites. Tabarouette, c'est bon. C'est énorme. Bravo. C'est un des plus grands phénomènes viraux que j'ai mis au Québec, j'ai l'impression. Le créateur des têtes à claque, Michel Baudet! Est-ce que vous arrivez à savoir ce qui fait que ça marche? C'est sûr que tout le phénomène demeure très mystérieux pour moi parce que j'ai fait ça pour m'amuser comme ça. Et jamais j'aurais pu imaginer que ça aurait une portée si grande, si rapidement. Incroyable ce qui s'est passé en moment. Bonjour. Alors ici, c'est le studio Tête à claque. Jeff qui descend. Salut. Jeff est au montage. Je vais tout vous faire visiter ça en haut. Ici, en fait, toute la maison est notre bureau. C'est pas ici que j'habite. Et puis, tout se passe en haut. Ici, vous avez Hugo Caron. C'est le Photoshop Master. C'est lui qui fait tous les personnages. C'est Simon qui fait le montage. Avant, moi, c'était pas mal plus simple, la façon dont je montais ça, mais ils ont voulu compliquer le processus. On a simplifié le processus. Jeff, ça fait déjà... Puis avril, ça fait quoi? 7 à peu près. Non, c'est pas vrai. Oui. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'il est ici. Ça va tellement vite. Je ne reconnais même pas. Je rentre de qui toi? Si vous avez à négocier avec Catalina, watch out. OK? Parce que... Ah, tu vois, il faut que j'aille signer un chèque. Catalina est la directrice des opérations. C'est la CEO de Salambo Production. C'est ça? Oui. Elle a hâte qu'on soit rendu gros comme Walt Disney. T'sais. Ça, c'est c'est ma caverne d'Alibaba. Ça, c'est tous mes petits bonhommes. Les corps, c'est pas compliqué, c'est un petit bouchon de liège. Les têtes à claque, c'est un peu une réaction à ce que je faisais avant. Je travaillais en pub, mais le processus de création en publicité devenait de plus en plus lourd. Tout était super analysé. Puis j'avais vraiment le goût de faire quelque chose de très, très simple. Moi-même, tout seul. Yeah, c'est très moderne, hein?
Ça, c'est notre boot. Tête à claque, en fait, c'est un peu un accident. C'est des tests. C'était pas très réfléchi, sauf que quand j'ai mis le doigt sur quelque chose, c'est quand en publicité, quand on cherche des idées, tu penses à un truc, puis là, tu trouves une suite, puis un troisième spot qui va bien avec, puis là, tu commences à avoir ta campagne. Tu sais. Fait que les têtes à claque, c'est un peu ça. C'est que j'ai fait un clip, deux clips. C'était juste un clip, deux clips. Puis là, trois clips. Bon, ça commençait à devenir quatre clips, cinq clips. Là, ça devenait un truc qui avait une identité, là, ça se tenait, là. Puis c'est ce qui donne la valeur à un produit, c'est quand t'as une identité forte, finalement. Ça, c'est les dents de l'Oncle Tom. Hey, mon ami! Ça change une face, hein? Hey, mon ami! T'aimes ça manger des patates? Des patates pilées, des patates frites, des patates cheese, oui? Ben, Oncle Tom, il y a une super patente pour toi qui aime beaucoup les patates. Mais Michel Baudet avait sa réputation dans le marché, qui était bonne, comme un très bon, je dirais, pondeur ou créateur de commerciaux radio ou télé. Allez, tout le monde ensemble! Bonjour, Toto! Bonjour, Toto! Bonjour, Toto! Bonjour, Toto! Toto! Être capable d'abord de faire une histoire en 30 secondes, c'est tout un talent. Je veux dire, faire un film d'une heure 20, c'est une chose, mais un film de 30 secondes, c'est autre chose. Et c'est au niveau de cette dimension narrative d'être capable de démarrer, développer et clore une histoire, c'est une gymnastique dans laquelle Baudet excelle depuis longtemps. Avant, ben moi, j'étais super gros puis super lait, là. Puis là, ben, grâce au baditon-là, platinum et déchets... Les têtes à claque, pour moi, elles restent des publicités sans produit. Ça veut dire que c'est construit comme une pub avec un kicker. Sauf qu'ici, vraiment, il a l'attitude de donner plus d'espace à ses histoires, donc ça peut traîner en chemin. Regarde, vas-y, Mayo! Ta gueule, les gros! Faut souffrir pour être beau. Mais au niveau des approches des clips, on sent que chaque clip est un concept. Et quand je dis est un concept, il y a une idée par clip. Que ce soit X qui veut inviter la blonde de son copain à faire le party au Café des Éclusiers, l'histoire en elle-même est chaque fois très, très bien définie au départ. Il n'y a pas 36 histoires, il y a une histoire. Et ça, en ce sens-là, c'est la discipline publicitaire qu'on reconnaît là. Je pense que tu comprends pas ce que j'essaie de te dire, là. Ben oui, je comprends, moi, lapin. J'ai bien un peu plus de temps pour te poupouner, là. Correct, là, je comprends ça, là. Prends ton temps, là, prends tout ton temps que tu veux, là, mets-le dans 20 minutes, OK? Ciao, bye! Wow! Elle a l'air bien excitée, hein? Voilà, Monique. Monique et Lucien. Ça manque un peu de personnalité, mais ça va venir. Hein? Moi, je jouais pas que des poupées quand j'étais jeune, mais là, regarde, faut que je rattrape le temps perdu. Ouais, c'est ça. Fait qu'on sort les poupées, puis on est toutes fascinées. Regardez le visage, lui, il est de cœur. Ouais, il est encore. C'est arrivé déjà qu'Hugo, on était dans une église, on a acheté une vingtaine de poupées. Tu sais, t'as deux gars de 30 ans qui sont comme, hey, elle est cool, tu sais. On devait nous regarder comme, ouais, on va t'en prendre 20. C'est comme, ah, ouais, OK. Quand on rentre, c'était derrière moi aussi, c'est tout à Bonjour, ici René Charles, votre VJ préféré. Je suis avec Mike Dunston, le lead singer de Pig Vomit. How do you do, buddy? I'm not your buddy. Tous les produits culturels aujourd'hui, de toute façon, que ce soit les émissions de télévision, etc., on voit des percées avec des moyens moins grands qu'on avait avant. Un contenu qui est vraiment drôle, qui est très, vraiment minimaliste, comme celui de Tête à claque, il passe. Parce qu'on ne dit pas, ah, ben écoute, le décor n'est pas très beau, puis la couleur n'est pas parfaite. On tolère ça parce qu'on ne le consomme pas avec le même cadre de référence qu'on consommait avant, mettons, une émission de télévision, qui devait être très polie, très bien. Hey, t'écoute, ta blonde, c'est une plate! Le réalisateur des Têtes à claque a créé un personnage typique, un personnage type comique. On pense, bon, par exemple, aux Simpsons avec leurs teint jaune, leurs grands yeux. On pense à South Park, qui on les voit jamais de profil comme les Têtes à claque, puis ils se promènent comme ça. Donc ça crée un effet comique. Les Têtes à claque sont bon, les grands yeux, les grandes dents, une mobilité assez réduite. Surtout que ça vient un peu contredire notre espèce d'idéologie de la performance, de la course à la perfection, du culte de la beauté, parce que les dessins nous paraissent simples et les Têtes à claque sont franchement laids. Et selon vous,
Est-ce qu'il faut seulement être sexy pour devenir la future Miss Québec Superbody? Ben non, il faut rester distingué en tout temps et toujours s'exprimer dans un beau langage. Ah, oh! Oh, tabarnak! Moi, je vais amener de la glue. Il est fort, hein? C'est Alex, c'est un writer. Ça, c'est Alex, c'est mon writer. Il a fait l'école de l'humour. T'as-tu passé, finalement? Au la main. T'as passé au la main? Première classe, on était trois. La prise d'otage de trois. J'ai ça dans mon portefeuille. C'est un tout ici. Je vais la remettre en ordi. Le prévôt, commandant, on est où, là? On est dans la merde. Hey, il est fou, hein? OK, mais géographiquement, on se retrouve où environ? Ben, tu vois bien, on est sur une île déserte. Mais qu'est-ce qui dit qu'elle est déserte? C'est ça, ça, faut que tu rajoutes ça. Mais qu'est-ce qui dit qu'elle est déserte? Mais ça, c'est déjà écrit. Vois, c'est live. Le ressort comique des Têtes à Claque repose sur deux éléments. D'abord, bon, les situations cocasses, incongrues, souvent tirées de la vie de tous les jours. Avez-vous la carte Hermès? Parfois, on s'inspire de l'actualité, notamment l'obsession du terrorisme qui verse vraiment dans l'absurde. Vous avez un atomic bomb caché dans une canisse de jus de raisin et j'ai eu l'ordre de vous abattre. Les Têtes à Claque utilisent des procédés comiques assez typiques, parfois rablaisiens, carnavalesques, entre autres le renversement des rôles. Allô, là, tu n'es mis pas pour... C'est qui ça? On retrouve ça avec le paternel avec ses deux enfants. Le paternel est vraiment, vraiment aliénant. Ah, c'est bon, la crème à glace. Ah, la crème à glace, hein? Ben là, attachez-le à quelqu'un avant qu'il se mette à chier partout, là. Il est en train de me baver dessus. Le langage aussi perd de son sens. Parfois, c'est un peu un langage à vide. Il se dit vraiment... Il se dit pas grand-chose, finalement. Moi, là... Tu sais, à un moment donné, là, moi... Wow! Hein? Hey, là, wow! Parce que là, tu sais, là, ça va faire. C'est tellement absurde, c'est tellement inutile, vide et sans aucun contenu que nous, en tant que téléspectateurs, on se sent comme complices de ça et on sent nous-mêmes ridicules de regarder ça. Et c'est ce qu'on rit de nous, dans le fond, en regardant ça, parce qu'on se dit, mon Dieu, je viens de passer 3 minutes de ma vie à consommer ça. Ouais. C'est un humour hybride, en fait. C'est un humour à cheval entre la satire, entre l'absurde. C'est teinté d'humour noir par moment, avec l'histoire du pilote de Satan. Il y a d'humour scatologique, bon, pipi caca poil avec les grenouilles, avec le docteur. Vous allez examiner quoi, là, avec votre gant, là? Votre prostate! Il y a aussi de l'humour un peu plus, masochiste. Mettons, je pense à Recordman, par exemple, quand ils font le concours avec le ton qui rentre dans le nez. Là. Donc, c'est un peu d'humour à la Jackass. Donc, c'est un spectre qui est assez large et qui fait en sorte que l'humour, ça peut... Tout le monde trouve son compte un peu dans ce type d'humour-là. Les répliques plus rapprochées, non? Ça, tu vois pas le besoin? Ben, t'en sens-tu le besoin? C'est quand même... Tu vois, c'est quand même long. Passe-moi-les une dernière fois, s'il vous plaît. D'abord, je vais enlever cette passe-là. Je vais le laisser continuer comme ça, mais je vais quand même faire un petit break. Faire un petit break dans le milieu. Là, t'établis tout le truc limbo, même. Ça, c'est... C'est un gros travail d'équipe. On est tout, des fois peut-être un peu trop même. Tout perfectionniste aussi. Quand t'es trois à prendre une décision sur quelque chose, des fois on a le don de s'astiner sur... Ben pas s'astiner, mais plutôt démocratiser la chose. Là. Mais c'est toujours la fin. Des fois de... c'est un peu le rôle de Michel aussi. Nous autres on est dans le studio, puis des fois on prend le fil un peu, puis on gosse sur une petite affaire. Michel il va rentrer, il va dire « Gaff, oublie ça, c'est bien parfait! » Tu vas construire des tables de sable, c'est tabarnak! Je pense que j'ai passé un charbon dans le dos. C'est vraiment drôle. Tu sais, quand t'as passé une mauvaise journée, là, t'as eu des problèmes, tout ça.
Là, t'écoutes ça le soir, puis sacrifice, ça détend. C'est meilleur qu'une pilule, cette affaire-là. Je pense que c'est le côté simpliste, un peu. Puis aussi l'esthétique, t'es juste le créateur, juste les yeux, la bouche, t'es quelque chose de nouveau, j'avais jamais vu avant. Il y a beaucoup de ce qui se passe dans les têtes à claques qui ressemble un peu aux niaiseries de gars qu'on peut faire un peu partout depuis notre adolescence. C'est humoriste, ça veut dire. C'est un langage québécois, ça veut dire tout le monde, on embarque dedans, on entend des commentaires qu'on se dit des fois nous autres mêmes. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on accroche le plus. Ah ben, j'ai mon voyage des Québécois. Hey, c'est quand le monde est-tu pareil, hein? Ben oui, hein, c'est rendu qu'on ne sait plus où aller pour avoir la paix, hein? Au Québec, on a un comportement média unique au monde. On regarde toute la même affaire. C'est super unique au monde. C'est la seule place sur la planète que Dallas n'a jamais fait numéro un. La seule place au monde, en France, ça fait numéro un. En Ouganda, ça fait numéro un. Mais pas ici, OK? Parce qu'on regarde nos émissions avant. Il y a des phénomènes de mode qui pognent tellement vite au Québec, puis à un moment donné, la petite ville, tout le monde écoutait. Je pense que c'est assez typique d'une société qui est d'une minorité, qui lutte pour sa survie. On a besoin de lieux communs, de références communes. Alors, les émissions de télé ou les têtes à claque, ça crée justement un peu cet espace commun-là où les gens se retrouvent. Et ça crée des liens, finalement, tout simplement. Vous connaissez les nouvelles coqueluches que se sont trouvées les Français? Croiriez-vous que ce sont les têtes à claque? Et on les aime telles quelles, on les aime nature, avec leur grimace, avec leur humour, avec même leur accent. Le marché est pas mal, c'est 10 fois plus gros que le Québec, alors... Ils sont venus rencontrer les grands de la téléphonie mobile et déjà, les publicitaires se frottent les mains devant l'engouement des internautes. Il y avait 400 000 visiteurs uniques par mois en février et au mois de mai, on a compté 750 000 visiteurs uniques. On est de retour à Paris après être venu ici cet été. Puis là, on est venu pour rencontrer les gens de Canal+, de Vivendi, de SFR. Merchandising aussi? Toutes les lignes d'affaires. Ah oui. On reprend le même plat qu'on a eu au Canada, au Québec. On recommence. C'est drôle parce qu'on est arrivé ce matin un peu fatigué, la chambre n'était pas prête. On dit « Ah, merde, on va aller prendre un café juste en face. » Puis on s'assoit, on est un petit peu engourdi. Puis on baisse la tête, puis pouf! Toutes les tables sont comme ça. Il paraît que la campagne a une grosse portée. Avec ce super package, tu vas pouvoir jaser en direct en Messenger, texter ta vie à tes amis, leur envoyer puis recevoir des mails, des MMS gratuits et illimités de 18h à 8h, 7 jours sur 7. Le SFR Unlimited Messaging Young Generation 2007. Attention, ça va watcher. Ce qui a aidé au succès aussi, c'est que tu peux le consommer quand tu veux. T'sais, si t'es à TV, tu l'as manqué, bien, tu l'as manqué. T'sais, c'est pas tout le monde qui va enregistrer tout, là. Tandis qu'Internet, tu peux pas le manquer. Tu dis, bon, OK, je vais aller le voir quand je vais avoir le temps, c'est tout. Puis bon, c'est sûr qu'Internet, la portée d'Internet, on est en France, là, parce que les Français, pour eux autres, c'est aussi simple que quelqu'un à Montréal, que quelqu'un à Paris, d'avoir accès au site, là. C'est ça qui est fou, un peu. Tête à claque se retrouve simplement à être un vrai phénomène de web, une expression totalement cohérente avec le monde du web. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord, au niveau de son contenu, il est court, il est rapide, il est insolent. La dimension d'insolence est très importante sur le web. S'il n'y a pas d'insolence, il n'y a pas de potentiel viral. Ce qu'on appelle du viral en web, c'est le fait de ne pas payer pour la diffusion. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au lieu que, mettons, quand c'est une publicité, tu reçois une publicité, tu la trouves drôle, tu la passes à ton ami qui la trouve drôle, qui la passe à son ami. La diffusion a été faite d'une façon volontaire par les personnes qui ont décidé de l'appuyer, puis de la diffuser, puis de la partager à qui voulait bien. Quand on regarde un truc comme Tête à claque, c'est juste quelqu'un qui a copié l'URL, presque plus ça, puis qui l'a dit, ou qui a dit à son ami, va sur têteaclaque.tv, qui est un URL archi mauvais. Tu sais, y a-tu l'accent? Non, y a pas d'accent sur le web. Moi, y a pas d'accent. Y a-tu un tiret? Non. Y a-tu un S? Y a-tu pas des S? Tu claques avec un coup. C'est un mauvais URL, puis ça a marché pareil.
c'est super rare que c'est épidémique. Épidémique, c'est comme ce qui est arrivé avec Tête à Claque. Ce qui arrive des fois, c'est qu'il y a 100 personnes qui l'ont montré en tout à 101 personnes, qui l'ont montré en tout à 102 personnes. Fait qu'à un moment donné, tout le Québec l'a vu. Puis moi, je vais prendre un gros Canada Dry avec un sandwich au Paris-Pâté. Pardon? Le Paris-Pâté, ça doit pas être cher, c'est hein, le Paris-Pâté? Wow! L'accent, putain! Je pense qu'il y a toujours eu en France un intérêt réel pour toute la créativité au Québec, que ce soit le cinéma québécois, la chanson québécoise. Il y a un certain partage de valeurs différentes des valeurs anglo-saxonnes. Et de ce point de vue-là, l'humour des Têtes à Claque est un humour que les Français comprennent. Ça va aller pour le pin avec tes patins, là? C'est pas de Pâques! Qu'est-ce que tu fais, pas de Pâques? Tu pas de pas, pas de Pâques, là? Tu peux pas porter pas de Pâques. Pas de pas, pas de Pâques. Ben non, tu peux pas porter pas de Pâques! Le vocabulaire des Têtes à Claque, je pense que ça contribue complètement au charme de... au succès des Têtes à Claque. C'est-à-dire, si on les francise un peu trop, ou si on change ces expressions un peu mystérieuses, je pense qu'on perd une partie de la poésie, de la drôlerie des Têtes à Claque. À tel point qu'un des trucs qui marche le mieux sur le web, c'est le lexique qui a été écrit. Et du coup, les gens rigolent beaucoup avec ça, parce que ça devient une sorte d'instrument de déconne dans les bureaux, dans les écoles, où les gens sont là et reprennent des machins, donc on peut s'y traduire et tout ça. Se péter les bretelles. Et selon toi, ça veut dire quoi? Se péter les bretelles, c'est peut-être éclater de rire. Ça doit vouloir dire se casser les dents ou... À mon avis, c'est quand on est angoissé. Ouais. Être aux petits oiseaux. Voilà. Ça, c'est super mignon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Être aux petits oiseaux, pour moi, c'est être aux anges, quoi. C'est magnifique, quoi. Oui, voilà. Ah, eh oui, je suis pas si con que ça quand même, hein. Je suis poissonnier, mais pas si con que ça. Hein. Il est pas payé, ça, radin. Se promener en bedaine, être genre un peu détente. C'est aller tout nu. C'est Tigidou. C'est sympa, c'est... C'est mignon, non? Tigidou. Ah, aucune idée. Tigidur, ça aurait été dur. Mais Tigidou, ça ne peut être qu'agréable. En fait, c'est moi le psy, je vous le dis honnêtement, c'est lui qui est malade et c'est moi la psychiatre. Ah, mon saumon est Tigidou? Ah, oui. Bah, nous voilà bien. et on a du saumon, Tigidou. Ce matin, j'ai rencontré M. Bouvac, qui est une institution en France pour l'humour. Il y a un show de radio qui existe depuis très, très longtemps. Je pense que le plus jeune, il doit avoir 64 ans dans la salle. Il n'y en a pas un qui sait c'est quoi les Têtes à Claque, je suis à peu près convaincu. Ouais. Non, c'est pas le groupe cible typique des Têtes à Claque. Je vais leur expliquer. Mais sauf qu'avec les Français, c'est qu'ils n'écoutent pas, ils posent des questions. Ils s'écoutent parler eux. C'est vrai, en général, vous préférez vous en... Mais il faut pas généraliser. Non. Toi, t'es pas comme ça, je suis certain. L'invité surprise, c'est le créateur de Têtes à Claque qui nous arrive directement du Canada. Je salue Michel Baudet, qui est un ami canadien. Alors, ça se présente comme quoi? Comme un dessin animé? Ouais, ben c'est des capsules humoristiques. On dit des capsules, ouais. On dit des suppositoires. Ben, c'est comme vous voulez, hein. Oui. Sentez-vous très à l'aise. Et alors, donc, chaque jour, les internautes se branchent sur vous. Oui. Déjà, on a quand même 1 million de Français qui vient tous les mois sur le site. Ah oui, un million! Et qu'est-ce qui empêche d'aller vraiment à la télé? Ben, on y va à la télé. Ça y est? Oui, on va y aller à la télé à compter de janvier. Je pense qu'il va y avoir les Têtes à Claque sur une station française. Qui sera probablement Canal Plus. Ben voilà, il faut le dire, hein. Bon, en tout cas, Michel Baudet, on vous souhaite un grand succès. Merci. Comme je disais, aujourd'hui, c'est mon mariage, je disais. Parce que c'est tellement... Ça fait un an que je fais mes fiançailles, là, j'aimerais bien. Qu'on consigne. Ah, voilà un taxi.
Waouh, ben j'ai des frissons partout, moi. Ah, bonjour. Enfin. Comment ça va? Je suis très heureuse. Oui, moi aussi. Vous avez tout de même pas peur qu'on n'arrive pas. Ah, non, non, non. Non, non, j'ai jamais douté. Jamais douté. Regardez, ça, c'est il y a un cimetière ici. Ça, c'est tout, tous les gens qui ont négocié avec Canal+, qui ont pas eu de succès. Tu vois, ils mettent là. Ils sont très, très durs. Michel, je lis des contrats. Ouais, on va vous laisser travailler. Ah, lis des contrats. On va laisser travailler. C'est peut-être pas le premier contenu, parce qu'on a dû acheter des films québécois, etc., mais des petits formats courts comme ça, oui, c'est la première fois qu'on achète des formats courts. Une série comme ça, québécoise, oui, on n'a pas l'habitude d'aller chercher loin. Là, nous, on est allé chercher sur le net, ce qui est quand même une première, parce qu'on ne fait pas ça souvent. Bonjour. Bonjour. Alors, Michel Baudet, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour. Bonjour. Oui, oh, oui. Oh, oui. Mais là, en ce moment, j'habite sur la rive sud de Montréal. D'accord. C'est à Matane? Non, 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 non. La rive sud de Montréal, c'est pas Matane. Non, non, non. C'est pas Matane. C'est très, très loin de Montréal, oui. Alors, santé. Alors oui, c'est une grande journée puisque c'est la concrétisation d'une négociation qui a été assez longue en fait, puisque la première fois que j'ai vu les Têtes à Claques, c'était en août l'année dernière. Et j'étais rentrée en contact avec Michel Baudet qui à l'époque démarrait relativement, ça faisait assez peu de temps qu'il avait commencé à faire les Têtes à Claques. Finalement, on s'est peu à peu acheminé vers un deal global de l'antenne, c'est-à-dire non seulement pour la diffusion à l'antenne, mais aussi pour le DVD, les produits dérivés, le net, la téléphonie mobile, voilà. Donc c'est bien parce que pour nous, Canal, c'est la première fois qu'on fait un deal global sur un format court comme celui-ci. Ah, oh, finalement, je vais les lire. Je suis sûre que du coup, les chaînes françaises vont se pencher plus précisément sur la diffusion éventuelle de formats québécois dans leur jus. Ah, bon, c'est la page importante. OK, vas-y, en premier. Après vous. Eh bien, voilà un. Moi, j'ai ma vie, c'est bien. Connaissez-vous le Willy Waller? C'est un éplucheur à patates dont les mérites sont défendus par les Têtes à Claques. Ces personnages animés québécois ont été inventés par un publicitaire, Michel Baudet. Il vient de signer avec Canal+, qui les diffusera en janvier. La Belgique, la Suisse, l'Algérie, l'Afrique montrent déjà des signes avant-coureurs d'un pareil engouement. Le concept de Michel Baudet n'aurait jamais pu continuer à vivre si, quelque part, on ne le mettait pas en marché, si on ne le mettait pas au niveau de son image et de sa mise en scène, si on ne rendait pas une marque de commerce. Houston, I have a problem. J'aime ça manger des patates. Moi aussi, moi aussi! C'est sûr que je peux comprendre aussi que Michel, aujourd'hui, dans ce contexte-là, exploite un maximum, vraiment à tout point de vue, la force, la valeur de la marque Tête à Claque. Parce que les marques qui sont strictement web sont fragiles. C'est drôle parce que Michel Baudet était sans doute le plus grand publicitaire de bière. Puis alors, lui, il en a fait des lancements, puis c'est quoi la vie, la durée de vie. Puis c'est peut-être pour ça qu'il a le réflexe d'exploiter pendant que ça marche, puisqu'il pense qu'une marque, ça ne dure pas longtemps. Le site Internet des Têtes à Claques est en perte de vitesse. De moins en moins de gens le fréquentent. Des experts disent que les Têtes à Claques pourraient même disparaître bientôt si on continue de trop les exploiter sur le marché avec toutes sortes de produits dérivés. C'est le journal Les Affaires qui consacre un article. Je pense qu'ils sont allés trop loin. Je pense qu'ils ont mal géré la croissance de cette marque-là en sortant toutes sortes de cochonneries de piètre qualité qui n'améliorait pas, en fait, le produit, qui ne poursuivait pas de façon positive l'expérience que les gens peuvent avoir en allant voir les Têtes à Claques sur le web. C'est clair que ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu avec les produits dérivés. On a toujours voulu exploiter cette ligne d'affaires-là, mais c'est vrai que c'est arrivé plus vite dans notre plan d'affaires que ce qu'on avait prévu au départ. On a été littéralement catapultés, en fait, dans l'exploitation du merchandising. Et très rapidement, en fait, dans les faits, là, la machine s'est emballée.
Tête à claque, c'est un DVD des produits dérivés des petites casquettes, l'ouvre-bouteille Raoul, les T-shirts et toutes les autres patentes à gosse. Est-ce qu'il y a dérive dans les produits dérivés? Ben non, voyons, il n'y en a pas de problème avec les produits dérivés. En fait, tout va comme sur des roulettes. C'est juste que là, on traverse un petit bout de route à garnotte, tu sais. J'ai vu à la télévision un extrait de ce sketch où on montre Lucien et Monique, un petit couple absolument infernal, qui sont dans la marmite d'un cannibale. Il y a un groupe de gens qui s'appelle Québec Pluriel et qui disent « c'est pas correct, c'est du racisme » parce que on traite le cannibale de Kunta Kinte. Hey, Kunta Kinte, vilaine bonne femme, super envie de pipi. Tu vas pas faire pipi dans mon wagon. Il y a du monde qui sont racistes pour de vrai, puis qui ont des sites pour véhiculer leur folie, là. Puis tu peux pas fermer leur site. Je veux dire, la Commission des normes canadiennes peut pas fermer leur site, tu comprends? Il existe quand même des polices de l'Internet, là. Puis aujourd'hui, il y en a qui parviennent à faire fermer des sites qui véhiculent des propos haineux et tout ça. OK. Fait que c'est vrai que c'est difficile à contrôler sur le net. Mais c'est faux de prétendre qu'il n'y a aucune autorité légale qui puisse intervenir en la matière. Tu sais, propagande haineuse. Hey, c'est quelque chose. Là. Moi, j'étais avec les nazis puis toute cette gang-là. T'sais. Ça n'a pas de calice de bon sens. Puis le Québec en entier a dit que ça n'avait pas de calice de bon sens. Puis le processus se continue quand même. T'sais. Si c'était pas des gens comme ça, si on n'avait pas eu des Kunta Kinte, vous pensez peut-être que je serais enchaînée aujourd'hui? Et partant de ce principe-là, c'est des gens qu'on peut pas... On peut pas les oublier parce qu'ils ont fait pour notre communauté, ils ont fait pour les Noirs. Ils ont fait dans leur temps ce que d'autres n'auraient jamais pu faire. Ils ont donné un bout de liberté. On peut pas y toucher, en rire, ridiculiser et le comparer à un cannibale. Qui oserait rire des tragédies de Polytechnique? Hein? C'est récent, là. Mais pourquoi on n'en rit pas? On ne rit pas des choses tragiques. Moi, dans mon spectacle, je chante des chansons d'Africains qui mangent des missionnaires. Puis je le fais pour rire. Il n'y a personne qui m'a reproché ça. Je dis aussi que les Québécois sont cannibales. Je le dis dans mon spectacle. Parce qu'ils mangent des oreilles de Christ, ils boivent le sang du Christ, puis il arrive même qu'ils se tapent leur grand-père dans du sirop d'érable. OK? Et puis, voilà. Moi, là, j'ai envie de dire une chose aux gens, à ceux qui se plaignent, parce que c'est à eux autres que je m'adresse. L'humour, là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité. C'est UNESCO qui disait ça. J'en ai marre de la rectitude politique. Je vais rajouter un commentaire éloquent. Voilà. Qu'il l'achète ou il le jette. Tu vois? Fait que c'est très, très, très simple. Nous, on s'est défoncé le cul pour faire quelque chose de vraiment génial. On est super excités. On l'a montré à plein de monde. Tout le monde est excité. Que tu me dises, ben, il a pas assez décalé. Non, ça, je la prends. Non, pas vraiment. C'est quoi l'avenir de Tête à claque? Je pense que c'est un avenir dangereux. Je présume que dans l'espace mental des créateurs, il y a beaucoup plus de choses que de la création. Au début, il n'y avait que ça. Oh, c'est quoi qu'on fait comme gang cette semaine? Puis là, c'est comment est-ce qu'on vend le T-shirt? C'est quoi le taux de pénétration? Qu'est-ce qu'on fait avec la France? Quand t'es rendu là, ta tête est moins dans la... Oh, ben, si l'orignal pétait à la place, t'es plus là. On a moins de temps. Ils ne trouvent pas assez faux. Et on ne sait pas assez fou, là. Ben, en fait, Publicis le trouve bien correct. Ils l'ont adoré, mais les clients ont dit, ben, on pensait que ça allait être plus fou. Ça explique peut-être que les gens disent bon. Que c'est... C'est pas aussi bon qu'avant, hein? Il me semble que c'était plus meilleur avant. C'est plus nouveau aussi. La fin, ce serait de ne pas être capable de continuer à écrire des gags intéressants. Le vrai problème avec le contenu sur le web, c'est sa capacité de renouveler l'intérêt. Et comme le phénomène de lassitude est extrêmement rapide, si je ne peux pas renouveler la qualité des clips, je vais faire qu'à un moment donné,
Tête à Claque sera has-been sur le web. Et à ce moment-là, je veux dire, il sera condamné à sa petite mort. Par définition, un programme de contenu a vocation à ne pas durer éternellement. Parce que, justement, il est en phase avec une période, avec un air du temps, avec une certaine sensibilité de la société à un moment donné. Mais par contre, le phénomène Tête à Claque, lui, est reproductible à l'infini. Ce qu'ils veulent, c'est voir une grenouille qui chante, un martien, un orignal, un lapin, un raton laveur, un pingouin ou un cochon. Un petit cochon. On va mettre le cochon qui va chanter. Puis en arrière-plan, tout petit, ce serait le fun de mettre Paco avec une guitare. Là. C'est le cochon qui joue de la guitare, les deux sont ensemble, c'est le cochon qui rince la guitare en arrière. Ah ouais, c'est encore plus drôle, c'est le cochon qui joue de la guitare. OK, je vais aller faire la plastine, puis on va prendre les photos. We have a pig. Magnifico. C'est compliqué, hein? Il va être en vie dans 2h30. Ça va vite. Le gars, il travaille super vite. Regarde, ben c'est ça, là. Écoute, on a déjà trouvé des solutions. Fait chier, là, mais on a toujours des bonnes idées. Qu'est-ce que tu veux? En fait, écrapoutis-le, parce que ça, tu vas rapprocher le bras puis la dingue. Fait que fais juste l'écrapoutis pour le moment, là. Puis je vais mettre toutes les vieilles dents pourries, là. Le cochon va être dégueulasse. Yeah, ça, c'est cool, ce foyer-là, là. Avec, en plus, c'est du bois rond. Bon, enfin, la perspective, c'est que je suis content. Fait que là, on voit le toit, tu vois le petit sapin en arrière. On y met-tu des bras? On n'a pas besoin d'y mettre des bras au bonhomme de neige. Des broches. Un bonhomme de neige avec des broches, tu sais, des dents avec des broches. Ça serait très bien. Ça serait, comment ils disent, disjoncté. Complètement disjoncté. Ça serait complètement disjoncté. Tu peux y mettre un petit chapeau pointu, tu sais, avec un... Tu sais, comme des chapeaux de fête, là. C'est Noël, c'est Noël, réponds-moi ma belle. On va swinguer toute la soirée au chalet de mon projet. C'est le rigodon du gros dingue. Les têtes à claques sont un exemple idéal de ce phénomène où un individu, tout seul, peut avoir une idée, peut la mettre en œuvre et la diffuser sans être obligé d'aller frapper à la porte d'une chaîne de télévision ou d'un producteur ou d'un financier public ou de je ne sais qui. On a un chemin qui s'est tracé et les têtes à claques ont servi à ça. Maintenant, prenons ce chemin-là et allons ailleurs. Pour moi, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de choses que je sens qui grouillent. Il y a plein de concepts de sites. Il y a des concepts de séries en ce moment, en web seulement. Il y a la notion que les gens comprennent de l'éclatement, la censure. Puis c'est pas juste pour parler de merde puis de montrer des seins, là. C'est juste pour dire ce que je veux. Puis pouvoir produire et diffuser la vidéo sans censure, sans éditeur. C'est phénoménal. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un moment fascinant. Moi, j'aime l'inconnu, en fait. Quand je sais un petit peu trop ce que je m'en vais, je perds l'intérêt. J'ai quitté publiciste, j'étais directeur de création parce que je ne me voyais plus faire de la pub à temps plein le reste de ma vie. Puis j'avais créé ça, je disais, ah, ça va être le fun, je vais faire une petite capsule par semaine, puis... J'étais sûr que j'allais arriver à avoir un petit groupe de fans, puis de vendre un petit peu d'espace publicitaire, puis ça allait payer l'hébergement, puis un petit revenu d'appoint, là, pépère, là.
j'ai manqué mon coup. Là, c'est rendu une grosse business. La personnalité de la semaine, la presse Radio-Canada, vous l'aurez deviné, c'est, on pourrait l'appeler le père des têtes à claques, M. Michel Baudin, qui voit maintenant ses têtes à claques arriver à la télévision de Radio-Canada au mois de décembre. Félicitations, M. Baudin. Merci. Bon, là, c'est Michel Baudet, il a tout inventé. Alors vous avez démarré tout seul, vous étiez 2, 3, 4, 5, aujourd'hui vous êtes combien? Là on est 10. Ouais. On est 10, on devrait être une vingtaine à la fin de l'année. Ça va très vite, oui. Vous allez le faire en anglais pour être les rois du monde. Voilà, hein? C'est entre autres. We're sailing to the Old Orchard. So you're making a trip to Old Orchard. Yeah, yes, yes. We trip solide à Old Orchard, là. C'est super trippant, là. Aujourd'hui, on fait un casting. C'est la première étape du deuxième chapitre des Têtes à claques. Parce que là, on s'en va en anglais. 3, 2, 1, on espère bien trouver une petite perle rare. Moi, je suis pas inquiet. C'est juste quelqu'un qu'on va sentir que ça fit bien. Là. Hey, Johnny Boy, how's it going, Johnny Boy? Listen, Vega, it's Thursday, I mean, beautiful night at Puto, man. Let's go to Marlo's, okay? There's babies everywhere, man. Everywhere, it's gonna be freaking awesome. You're gonna freak, man. It's gonna be freaking awesome! So, babes, ever, I'm telling you, it's like me, I and you will go out. What's your problem, Johnny? Puto, come on, man, let's go out, it's party, je man. Le sais que je vais faire d'autres choses que les têtes à claques. Là, j'ai même pas le temps de m'y arrêter là, pour savoir ça va être quoi le next step, là, parce que je suis trop occupé là-dedans. Mais c'est ça qui est excitant, ça va être quoi le prochain truc qu'on va produire. Là, j'ai toute l'équipe pour développer mes idées. Fait que c'est ça le bonheur. Kill yourself tomorrow, right? It's just tonight's the night, you and me. But now you and me personally, we're gonna get some women to put in between. Cause I'll be fucking gay, you know what I'm saying? I'm not gay. Bro, guy, dude, fuck. And listen, you can kill yourself tomorrow, John, I don't care, okay? But tonight is the night, okay? Tonight we're gonna do it. If you don't come, I'm gonna go alone, and I don't wanna go alone, okay? Oui, allô? Hey, Johnny Boy! Allô? Comment ça va, mon Johnny Boy? Allô? Ben là, mon père, c'est jeudi, il fait beau, 5 à 7, café des exclusives. Vous avez le mauvais numéro. C'est ça, Johnny Boy. Mais on va te chercher, là, avec ma BM, là. On va se parker.